a tenté de remettre dans l'enclave, ça a été coupé en défense. Verrette reprend derrière le filet, il est bousculé. Là, Kamaïev fait le play, mais ça passe à lui, est coupé par un joueur adverse. Oh, là, c'est Provo qui... Grenier et Provo qui engage, qui vont engager le combat là, en zone neutre. Là. Provo et Jean-François Grenier. Voilà, Provo qui n'a pas apprécié la mise en échec de Grenier. Voilà, jusqu'à maintenant, les... Là, et là, Grenier qui a pris le dessus sur Provo et finalement Provo s'est redressé et les deux croulent sur la patinoire. C'était une très bonne mise en échec de Grenier sur la séquence à l'endroit de Provo et par la suite Provo qui l'a invité à acheter les gants. Et ben, Grenier qui a accepté l'invitation, donc je pense pas qu'il y ait d'autres pénalités. Là, c'était vraiment une très bonne mise en échec de la part de Grenier. Alors on vient après la pause qui suit pour la suite des choses en direct de l'Arena Jacques Laperrière. C'est le hockey Molson Exigaski à Go Radio X, la radio du sport en Abitibi-Témiscamingue.